Bonjour Nicolas. Bonjour Emma. Tu vas bien? Bien et toi? Ça va. Cette semaine, nous allons vous parler de cinq films, mais qui t'ont fortement déçu tous. Mais il y en a un qui t'a bien plus déçu que les autres. Il s'appelle Visage. Oui, de Tsai Ming Liang. On peut réellement parler d'une déception. Enfin, Oui, tu y attendais beaucoup. oui, c'est un réalisateur que moi j'avais découvert au travers de La Saveur de la Pastèque et qui m'avait Oui. vraiment impressionné et intrigué. Qui, d'un point de vue esthétique, témoigne d'une réalisation réellement époustouflante, mais qui ici, alors que le film aurait pu être vraiment très intéressant de par son synopsis de départ et de par la volonté du réalisateur de faire rencontrer un cinéma taïwanais et un certain cinéma français, mais ça ne fonctionne absolument pas. C'est d'un ennui terrible. Il y a des choses évidentes. On voit clairement l'hommage à Truffaut, on voit clairement l'hommage à la Nouvelle Vague. Il y a quand même Fanny Ardant dans le casting, qui était la dernière épouse de Truffaut. Il y a Jean-Pierre Léaud, qui interprète un personnage, enfin, il est censé interpréter son propre rôle, mais son propre rôle, il s'appelle Antoine, et il ne s'appelle pas Jean-Pierre Léaud. Antoine étant quand même le prénom qu'il avait dans les films de Truffaut. Fanny Ardant interprète son propre rôle. Donc, il y a clairement un jeu de mise en abîme, c'est voulu de par le synopsis même, un réalisateur taïwanais qui a la possibilité de filmer au Louvre. Or, c'est le Louvre qui s'ouvre en tant que décor et qui s'est ouvert à Tsai Ming Liang, qui réalise un film produit dont la productrice serait Fanny Ardant avec Jean-Pierre Léaud, mais de manière à pouvoir rendre le film accessible, il décide de prendre enfin, la production impose un top modèle qui est joué par Laetitia Casta, mais qui est étrangement elle-même un top modèle et qui interprète le rôle de Laetitia Casta. Et donc, RIP à Visage, et nous irons juste lire le synopsis. Ça nous fera gagner un peu de temps, Nicolas. On peut regarder la bande-annonce, les images sont assez jolies, enfin, c'est une Bon, belle mise. bien. Regardons la bande-annonce alors. Thank you.